Donc, en fait, pour développer les présentations, c'est toujours les mêmes recettes, d'accord? Encore une fois, les recettes, je vous l'ai dit dans la présentation, il faut les connaître, d'accord? Après, c'est à vous de les agrémenter selon, selon en fait, votre personnalité et selon ce que vous cherchez. Donc, d'abord, pour une présentation, il faut savoir ce que vous allez dire. Ça a l'air idiot, mais si vous rentrez dans une classe, si vous rentrez quand vous avez à pitcher devant un jury et que vous ne savez pas ce que vous avez à dire, eh bien, votre communication sera nulle. Elle ne sera pas bonne. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail en amont qui est fait pour savoir exactement ce que vous allez dire et vous allez vous préparer mentalement, vous allez organiser vos idées pour savoir comment vous allez structurer vos idées, comme quand on fait... Vous allez penser à qui vous allez vous adresser. C'est important de savoir, quand quelqu'un vous demande de faire une présentation sur quelque chose et qu'il oublie de vous dire pour qui c'est fait, ça veut dire qu'il n'est pas en mode de communication. La communication, c'est établir un lien entre vous et moi. C'est rentrer en communication, c'est-à-dire rentrer en lien commun. C'est ça la communication. Pas forcément verbal, quand vous rentrez dans une pièce, vous établissez un lien à l'autre. D'accord ? Et en fait, quand vous avez une personne qui dit « Tiens, il faut que tu dises ça », vous dites « Pour qui ?» La personne ne vous donne pas cette information. Eh bien, vous savez que la personne n'est pas en communication, elle est simplement en émission. C'est-à-dire que le but, c'est de dire quelque chose. Et c'est pas important de savoir si cette chose va être retenue ou pas par l'auditoire. Donc, quand on vous demande de faire une présentation, c'est pour qui ? D'accord ? Parce que vous devez prendre en compte à qui vous adressez pour être efficace, en fait, dans votre travail de communication. Miséricole, c'est-à-dire que vous allez créer, en fait, vous allez, par une technique, vous allez faire en sorte que vous assurez des points importants qu'ils doivent retenir. D'où, on verra pour le pitch, important de bien dire au départ ce pourquoi vous êtes ici et de bien dire à la fin ce que vous souhaitez que les personnes retiennent. D'accord ? Donc c'est généralement au début et à la fin. Donc c'est là où les gens vont se souvenir, il est venu pour ça, et c'est pour ça que maintenant on dit ben les attendus, les objectifs de la communication, c'est ça. Et derrière, eh ben, qu'est-ce que je dois retenir de cette présentation? Et à partir de ce moment-là, vous faites en sorte que les gens retiennent ce que vous avez envie qu'ils retiennent. Vous devez pratiquer, pratiquer, pratiquer. On verra. J'irai plus rapidement sur les slides parce que ce sont après qui vous expliquent ça. Pratiquer. Tout seul, dans la rue, vous pouvez apprendre par cœur quelque chose. Attention, par cœur, il y a des gens qui apprennent le par cœur pour se rassurer, c'est bien, mais quand ils sont interrompus, ben, ils perdent le fil et ils ne savent plus quoi dire. Donc le par cœur, oui, mais le par cœur sur un certain nombre de points à prendre en compte, pas sur apprendre par cœur un texte, et quand on est interrompu, ben, oui, je suis, et on est obligé de repartir au début pour pouvoir... Ça, c'est pas très bon. Donc, il faut pratiquer, il faut savoir qui on est, il faut se faire filmer, il faut avoir les avis des uns et des autres, il faut pas avoir peur. Alors quelquefois, il y a des personnes qui ont un peu peur, parce que c'est pas forcément naturel, mais c'est quelque chose qui se pratique, et qui s'améliore. Donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir. C'est à vous d'être sûr que l'environnement dans lequel vous faites cette communication, bah, vous le maîtrisez. D'accord ? Vous maîtrisez les éléments techniques, vous maîtrisez l'ordinateur, vous maîtrisez les liens, vous maîtrisez la manière dont vous êtes installé sur l'estrade ou votre bureau, etc. Tout ça est important. Vous devez apprendre à transformer votre peur. Tout le monde a peur, c'est pas forcément naturel, on n'apprend pas ça quand on est petit, alors c'est en train de changer maintenant, hein. Mais on n'apprend pas forcément, surtout dans nos cultures françaises ou vietnamiennes, on est plutôt des cultures de l'écrit. On n'apprend pas forcément à se présenter, à être à l'aise à l'oral, et c'est pas forcément toujours bien, c'est pas toujours bien vécu. C'est bon, c'est un beau parleur, d'accord. On en revient au fait de la communication. Alors oui, il faut faire attention, mais c'est un outil qui est important. Je prends toujours cet exemple. Vous êtes en influence, vous voulez que les gens vous écoutent, et regardez un peu, moi, mes étudiants, quand je leur fais des cours de communication là-dessus, c'est on a tous dans notre vie, en fait, rencontré des gens qu'on écoutait passionnément alors qu'ils n'avaient rien à dire. Hein, ils n'avaient pas de message ou de contenu. Et puis, il y a plein de gens qui ont plein de choses à dire, mais on n'arrive pas à les écouter parce qu'ils ne savent pas comment le dire. Donc, et souvent, ben, ce fait, c'est parce que ces personnes qui ont beaucoup de choses à dire, soit elles sont timides ou elles ont peur de s'exprimer. D'accord ? Et c'est quand même dommage quand on a quelque chose à dire parce qu'on n'arrive pas à transformer sa peur.
de ne pas pouvoir dire quelque chose qui est quelquefois beaucoup plus intéressant que les gens qui parlent pour ne rien dire. Vous avez la perception de l'autre. La perception de l'autre, c'est comment mon message est perçu, comment l'adapter, comment prendre en compte ça. Donc ça, ça aussi, vous êtes en interaction. La communication, c'est de l'interaction. Hein. Et puis, ben, soyez à l'aise. Mais ça, ça vient avec la pratique, ça vient avec le fait de d'être à l'aise devant la caméra. Et... Donc, voilà, ce sont les points. Je vais reprendre rapidement.